Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer le langage prologue. Dans les années 50, on s'intéressait déjà à l'intelligence artificielle, avec par exemple le célèbre test proposé par le mathématicien Alan Turing, qui permet d'évaluer la capacité d'une machine à imiter l'intelligence humaine. Donc son idée est que si une machine peut converser avec un humain sans que celui-ci réalise qu'il parle à une machine, alors, on peut considérer cette machine comme intelligente. Côté langage, en 1958, on a eu le LISP, donc conçu principalement pour manipuler des données symboliques et pour le développement de l'intelligence artificielle. Début des années 70, Alain Colmerware, Philippe Roussel et ensuite Kowalewski ont développé le langage Prologue. À l'origine, pour analyser et traiter le langage naturel. On n'avait même pas la possibilité de travailler avec des nombres dans la première version de Prologue. Donc à droite, une des premières installations de Prologue. Et sur cette seconde photo, un système du département d'intelligence artificielle d'Édimbourg. parmi tous les langages, on a ceux de la génération 1 et 2, correspondant au langage machine et à l'assembleur, donc des langages de très bas niveau qui sont spécifiques à un matériel des langages difficiles à lire et difficiles à écrire. Ensuite, on a eu des langages de génération 3 qui étaient moins dépendants de la machine, donc plus abstraits. On parle de langages de haut niveau, donc les premiers sont Fortran, Pascal, Cobol. Ils utilisent des mots-clés, des structures de contrôle et sont donc plus faciles à lire et à écrire. Ensuite, on arrive aux générations 4 et 5 des langages que l'on appelle des langages descriptifs. Donc ce sont des langages qui se concentrent sur la description de la logique plutôt que sur les algorithmes. Par exemple, lorsque vous faites une requête en SQL ou, comme nous le verrons, en Prologue. Pour la génération 5, on voit apparaître les concepts d'objet, de classe et la réutilisation du code par modularité. C'est-à-dire avoir des composants indépendants qui ont une tâche spécifique. Et pour la sixième génération, on a des langages orientés, par exemple, vers le web les analyses statistiques, etc., qui sont plutôt des langages interprétés que compilés. Alors revenons à Prologue, qui se distingue par son approche déclarative, c'est-à-dire que l'on va chercher à formaliser un problème à l'aide de relations. Ces relations pourront être des faits ou des règles de logique. Et le moteur Prologue va chercher à prouver un but, c'est-à-dire répondre à une requête par unification. Et en réalisant des déductions. Donc, on a des applications du Prologue à des problèmes de logique comme les puzzles, les jeux, les bases de données, les systèmes experts. Côté grand public, dans les années 80, on trouvait des versions de Prologue pour le Commodore 64. Je vais vous faire des démonstrations tout à l'heure. Pour la calculatrice PB2000C, je vous ferai également une démonstration sur un simulateur de cette calculatrice. Donc, cette machine est multilangage. En particulier il y avait une carte que l'on pouvait acheter à part pour pouvoir travailler en prologue. Dans les années 90 on a plusieurs logiciels sous DOS et je vous ferai tout à l'heure une démonstration de JB Prologue sous macOS. Aujourd'hui on trouve des versions de prologue en ligne en particulier sur les sites Try It Online et SWI Prologue. Alors commençons par les types en prologue donc on a déjà les constantes symboliques qui sont utilisées pour représenter des valeurs fixes et qui sont écrites en minuscules. Par exemple, âge, Jean, 23. Donc Jean est une constante symbolique. Donc on dit que âge est un prédicat et comme il y a deux arguments, on dira que c'est un prédicat d'arité égale à 2. Inversement, les variables commencent par des majuscules ou éventuellement un trait de soulignement. Donc, par exemple grand X et Prologue utilise des types dynamiques, c'est-à-dire que les types des variables peuvent changer en cours d'exécution. Donc les types les plus courants sont les entiers, les nombres flottants, les chaînes de caractères et les listes. Alors voici un premier exemple. On a un prédicat info, une constante symbolique Jean, une chaîne de caractères, un entier et ici, une variable. On a ce que l'on appelle des faits. Première info sur Jean, c'est Paris. Donc on va dire, il habite Paris. Deuxième info sur Jean, il a 23 ans. Donc on voit ici une certaine incohérence entre la ville où il habite et son âge. Mais si on demande à Prologue de trouver X, il pourra sans problème l'unifier avec Paris ou avec 23. C'est pour ça que l'on dit que les types sont dynamiques. Et si je lui rajoute la condition x est un entier, il me répondra que grand x peut être unifié à 23. On va développer d'autres exemples tout à l'heure, mais on peut déjà comprendre le principe. J'ai mon but, donc ma requête, et je vais demander à avoir la trace du raisonnement. Donc il me dit qu'il va chercher à unifier Jean avec une certaine variable. Donc il commence par tester avec Jean et Paris. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, il va regarder Est-ce que Paris est un entier Comme c'est faux, il va continuer dans la base des faits et passer au fait suivant avec Jean et 23. Donc ici, il recommence. Il arrive à unifier la variable avec 23. Est-ce que 23 est un entier La réponse est oui, d'où sa réponse. Prologue permet d'effectuer des opérations mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a des prédicats prédéfinis comme l'addition, modulo, etc. Lorsque l'on voit le mot is, ça va forcer Prologue à évaluer le terme qui est à droite. Donc la somme de 2 plus 3 va faire 5, donc x va être unifié à la valeur 5. De la même façon ici, quel est le reste de la division de 11 par 4. Par contre, le symbole égal ne fait pas l'évaluation de ce qui est à droite. Donc si j'écris x est égal à x plus 1, il va chercher à unifier ce qui est à gauche avec ce qui est à droite, mais on n'aura jamais x égal à x plus 1. Donc cette relation est toujours fausse. Donc voici quelques exemples. La variable x est égale à l'évaluation de 2 plus 3. Donc il me dit que 5 c'est 2 plus 3. Pareil avec modulo. Si je fais x égale à 4, il réussit à unifier grand X avec 4, donc 4 est égal à 4. Et si je fais grand X est égal à plus 2 plus 3, il ne va pas évaluer 2 plus 3, mais garder 2 plus 3. Donc grand X sera égal à 2 plus 3. On a donc également les chaînes de caractères et les listes. Donc les listes sont très importantes en prologue, avec en particulier la liste vide et de façon générale, une liste est composée de l'élément de tête et la queue. Donc head, tail en anglais. Il faut bien voir que grand H est un élément, par exemple un entier, ou une constante symbolique. Par contre, grand T est une liste. Ça veut dire que lorsque j'écris la liste 1, 2, 3, en prologue, c'est sous-entendu l'élément 1 suivi de cette liste-là. Et cette liste est elle-même constituée d'un élément et ensuite de la queue, un élément, et la liste vide. Si je cherche à unifier la liste xy2 avec Jean 3 et R, il y arrive en me disant que grand x c'est Jean, y c'est 3, et R c'est 2. De la même façon, si je cherche à unifier xy avec 3 et x, il va unifier x avec 3, donc ici je vais avoir un 3. Et ensuite, il va unifier le Y avec ce 3. Alors, de façon générale, pour résoudre un problème en prologue, il va falloir le formaliser à l'aide de faits. Donc, le fait numéro 1, point fait numéro 2, point etc. Par exemple, je dis que l'individu Serrette possède une calculatrice HP71B. Donc, remarquez que tout est écrit en minuscules qui date de 1984. Et l'individu Eric possède un ordinateur ZX81 de 1981. Donc je viens de déclarer deux faits. Ensuite, on aura des règles, c'est-à-dire que si on a l'ensemble de ces faits, H1 et H2 et HN, donc ce que l'on note également comme ça, alors on peut en déduire F. Donc le alors s'écrit deux points moins. Donc vous pouvez imaginer ce symbole comme une implication vers la gauche. Par exemple, on va dire qu'une personne est un collectionneur si cette personne possède un ordinateur, peu importe le nom, peu importe l'année, et, c'est donc la virgule, cette même personne possède une calculatrice, peu importe le nom et l'année sans oublier de rajouter le petit point. À partir de ces faits et des règles, on va pouvoir demander à Prologue des requêtes, donc des buts à atteindre. Donc la notation c'est point d'interrogation moins et on cherche à avoir le but 1 et en même temps le but 2 et en même temps le but N. Exemple de requête, je cherche une personne qui possède un ordinateur de 1977. Ici, j'ai utilisé le symbole underscore pour dire que cette variable ne m'intéresse pas, peu importe le type d'ordinateur. Ce que je veux, c'est qu'il m'unifie P, c'est-à-dire qu'il me trouve le nom de la personne. Donc Prologue va essayer de prouver ce but à l'aide des faits et des règles. Alors voilà ma base de faits, et je vais utiliser un Commodore 64 pour répondre aux différentes requêtes. Donc, je lance un émulateur et je vais charger Prologue 64, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc, on a une page d'accueil et environ une minute après, vous allez pouvoir programmer en Prologue. pour entrer un programme, vous tapez « consult user. » Donc, vous tapez ou vous collez le texte et vous finissez par « end of file. » Donc je vais demander quelle personne a un ordinateur. Là, je vais rajouter grand X pour qu'il m'affiche également le type de machine. 1977. Point. Entrée. Et il me répond que Audrey a un ordinateur Apple II de 1977. On peut avoir des questions plus générales. Donne-moi les personnes qui ont un objet. Donc, calculatrice ou ordinateur. Point. Qui me dit que Serrette a une calculatrice HP 71B. Point virgule. Il continue. Donc Eric a un ordinateur ZX 81. Le Dudu un C 64. Et si je veux arrêter, je fais simplement Entrée. De la même façon, on peut demander uniquement le nom de la calculatrice, peu importe qui la possède et peu importe l'année ou avoir un but plus complexe. Donne-moi les noms des personnes qui ont une calculatrice, sachant que l'année est inférieure à 1980. Donc il va déjà essayer d'unifier X et T, par exemple Serret avec 1984. Et ensuite, comme T va être égal à 1984, il va regarder est-ce que ce but est vérifié. Donc, ce qui n'est pas le cas. Donc il va continuer dans la base de faits, prendre cette ligne-là, T sera égal à 1979, grand X sera égal à Eric, et cette fois-ci, les deux buts sont bien vérifiés. Donc il aura une première réponse à nous proposer. On peut se rajouter une nouvelle règle, par exemple trouver des calculatrices dont l'année est entre B et H. Donc la valeur basse, la valeur haute. Donc je lui demande de trouver les calculatrices et A qui correspondent donc à l'année. Dans un premier temps, il va unifier x avec cette calculatrice et A avec cette année. Et ensuite, il va regarder est-ce que A est inférieur ou égal à h et est-ce que A est supérieur ou égal à B. Si je rajoute cette nouvelle règle, qui est donc écrite exactement de la même façon, la seule chose change c'est le mot ordinateur une fois qu'il aura épuisé tous les cas possibles pour les calculatrices il cherchera les personnes qui possèdent un ordinateur entre les deux années voulues on peut même se rajouter une troisième règle qui est de dire que si l'année de départ est supérieure à l'année d'arrivée donc par exemple je veux des machines entre 1983 et 1980 à ce moment là tu inverses le H et le B. Donc l'ordre est important, c'est-à-dire qu'il commencera par cette première règle, donc éventuellement inverser les deux années. Ensuite, il va chercher les calculatrices. S'il si ne trouve personne qui a de calculatrice, alors il va enchaîner sur les ordinateurs. Et s'il trouve des personnes qui ont une calculatrice, il va donc afficher le résultat, mais on pourra lui demander de continuer la recherche. Donc il va épuiser toutes les calculatrices et ensuite passer aux ordinateurs. Alors voilà quelques visuels sur le Commodore 64. J'ai entré les différentes règles, les personnes considérées comme des collectionneurs, la recherche de calculatrices et d'ordinateurs. Les symboles comme underscore, pipe ne sont pas toujours évidents à avoir sur l'émulateur. Je vous donne ici une combinaison qui fonctionne sous Mac. Donc à la question qui a un ordinateur de 1977 Il va me répondre Audrey. Et voyez qu'ici il n'y a pas le nom de la calculatrice. Et il répond No. Après mon point virgule où j'essayais de lui demander une autre solution. Donc il me répond qu'il n'y a pas d'autres possibilités dans la base de faits. Quels sont les noms des calculatrices Donc on voit la liste et ensuite No. Qui est collectionneur Donc il m'affiche les trois personnes. Autre requête, je cherche les machines, calculatrice ou ordinateur entre 1980 et 1983. Et il m'affiche ses résultats. On peut également voir le détail de la recherche en tapant trace avec point. Par exemple, qui possède une calculatrice dont l'année est inférieure à 1980 donc il va regarder dans la base de faits, il va réussir à unifier X avec serrette et T à 1984. Donc c'est la ligne que l'on voit là. Ensuite, il va faire le test 1984 inférieur à 1981. Donc il va renvoyer échec. Il va continuer dans la base de faits. On va avoir les différentes lignes qui sont là. Il arrive à cette ligne puisqu'ici on a des ordinateurs. L'année 1979. Cette fois-ci, le but est vérifié. Donc il va afficher Eric, calculatrice 1979, virgule 1979 inférieur à 1980. Passons à un exemple numérique avec le nombre d'or, qui peut s'écrire 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1, etc. Donc le but est d'écrire un programme en prologue où on va lui donner grand N, qui sera par exemple 5, si on veut aller jusqu'à 5 niveaux. On aura donc le résultat, et au fur et à mesure, on va accumuler les valeurs des différentes fractions. Donc on va écrire cette première règle, où on lui donnera N, et il faudra qu'il calcule R. Et pour ça, on va utiliser un autre prédicat, une autre fonction, qui va être FC pour fraction continue avec toujours n r et un troisième paramètre 1. Alors quelle est cette fonction Eh bien si n vaut 1, c'est-à-dire s'il n'y a plus rien à calculer, le résultat que je cherche ce sera a. Donc au départ a vaut 1 et si n vaut 1, eh bien finalement le résultat c'est juste 1. Et pour la deuxième règle, si on a n a et r, c'est-à-dire que n n'est pas égal à 1, sinon il aurait appliqué cette règle-là. Ça veut dire qu'on a a et que l'on cherche maintenant la valeur qui est là, c'est-à-dire 1 plus l'inverse du résultat précédent. Donc on va appeler grand S la valeur 1 plus 1 sur a. Ensuite, eh bien, on va diminuer n de 1. Donc il faut que je lui donne un autre nom, donc il va chercher à unifier N1 avec N-1 et par récursivité, on lui dit de calculer la fraction continue en partant de N1 avec S et R. Donc il va reprendre les règles en partant de la première et regarder si N vaut 1 et sinon, il refait ce calcul. Alors cette fois-ci, je vais le faire avec la Casio. Donc vous aurez bien entendu tous les liens sous la vidéo. Donc vous allez dans menu, là vous allez voir les différents programmes qui ont déjà été tapés. Si vous faites prologue, vous êtes dans la console où vous pouvez poser des questions. New prologue donc permet de créer un nouveau programme et je vais pour ma part éditer celui que j'ai déjà tapé et qui s'appelle nombre d'or. Donc c'est le même programme, la seule différence c'est qu'il faut écrire égal r, a donc en notation préfixée on a bien le S, N1 qui est N-1, et à nouveau l'appel au prédicat FC. Ensuite, vous faites prologue, donc il va consulter ce fichier, et vous pouvez poser vos questions. Donc attention, minuscule, majuscule. Donc là, si je tape sur N, je suis en majuscule. Donc je fais cap, nombre, cap O, cap petit r, parenthèse. Donc je vais aller par exemple au niveau 5, cap et r. Point, entrée. Donc il m'affiche 1,6, le nombre d'or valant à peu près 1,618. Je fais entrer et je pourrais donc lui demander une autre valeur. Donc voilà son cheminement pour calculer le nombre d'or avec 5 et r. Donc il va lancer FC avec 5, 1 et r. C'est ce que l'on voit ici. Il va regarder la première règle. Il ne peut pas unifier le 5 avec le 1. Donc il va passer à la règle suivante. Donc le N, ce sera 5, 1 et R. Donc 1 plus 1 sur 1, ça fait 2. 5 moins 1, ça fait 4. Donc il va lancer FC avec 4, 2 et R. Donc ce que vous voyez ici. Il reprend la première règle. Comme j'ai un 4 il ne peut pas l'unifier avec le 1, donc il applique à nouveau cette règle-là. On aura 3, le cumul va faire 1,5 toujours avec R. Ensuite 2, ensuite 1 et finalement, il va réussir à unifier R et renvoyer 1,6 ou 1,625 puisque sur ce schéma, au lieu de mettre 1 comme condition d'arrêt, j'ai mis 0. Si on tape ce programme sur SWI donc vous cliquez sur plus, programme, vous tapez votre programme et ensuite votre requête. Donc je veux nombre d'or 5, R, vous mettez un point où vous ne le mettez pas et ensuite run. On retrouve bien 1,6 et si j'avais mis 0, je retrouve le 1,625. Je peux effacer... Les deux résultats précédents et rajouter ici trace, run, et voyez donc les différentes étapes pour arriver à 1,625. Donc là, n est égal à 1, n est égal à 0, donc il va réussir à unifier r avec 1,625 et il remonte. Le résultat final est donc r égale 1,625. Sur le Commodore 64, ce programme ne fonctionnera pas puisque en divisant un entier par un entier, on obtient un entier. Donc, on va plutôt chercher le résultat sous la forme d'une fraction, donc numérateur divisé par dénominateur, en remarquant qu'à chaque étape, si vous faites 1 plus 1 sur une fraction, donc qui va correspondre au résultat précédent, c'est donc 1 plus l'inverse de cette fraction, qui est donc égal au numérateur précédent plus le dénominateur précédent sur le numérateur précédent. Donc on peut modifier assez simplement le programme que l'on avait fait tout à l'heure en lui disant qu'à partir de n, il faut que tu me trouves le numérateur et le dénominateur. Pour ça, tu vas utiliser le prédicat fraction continue avec n. Au départ, on aura 1 pour le numérateur, 1 pour le dénominateur. Et à nouveau, tu cherches à unifier ces deux variables. Si n vaut 1, alors ce fait-là est vrai, c'est-à-dire que tu peux trouver le numérateur et le dénominateur. Ça correspond à ceux qui sont ici. Sinon, on a le numérateur précédent, le dénominateur précédent, toujours les deux variables que l'on cherche à unifier. On diminue n de 1. Le nouveau numérateur, ce sera numérateur précédent plus dénominateur précédent, et tu relances fraction continue avec N1, le nouveau numérateur, et le nouveau dénominateur correspond au numérateur précédent, avec toujours les deux variables à unifier. Si on lance ce programme avec SWI Prologue, jusqu'à 19, on obtient la fraction 6765 divisé par 4181. Ce qui fait environ 1,618. Donc si je tape ce programme, donc édition coller, end of file. Point, nombre d'or 19, virgule. Donc, je ne suis pas obligé d'utiliser les mêmes noms, je peux écrire ça n et d point. On retrouve bien les deux valeurs, 6765 et 4181. Si je lui demande à aller jusqu'à 20, on obtient ce résultat qui, clairement, est faux. 2754 divisé par 6765 ne fait pas 1,618. Donc je vous donne l'explication tout à l'heure. Autre exemple de programme Prologue appartenir. Donc est-ce que 5 appartient à la liste 6, 7, 5, 9 Donc ça, c'est un prédicat qui existe avec SWI Prologue. Ici, il nous répond vrai qui existe également en prologue 64 sur le commodore. Donc on retrouve la fonction à cet endroit-là, mais qui n'existe pas sur la casio. Donc le but va être de réinventer ce prédicat. Donc On va dire que grand X est membre d'une liste si grand X bah c'est l'entête de cette liste. Donc c'est le premier élément de cette liste. Ou alors, si ce n'est pas le cas, c'est que X est dans la queue de la liste. Donc voilà comment on peut écrire le programme, donc je vais l'éditer. C'est de dire qu'il est vrai que X est membre, donc appartient à la liste X, Pipe et la queue de la liste. Donc je vous rappelle que dans une liste, vous avez un élément suivi d'une liste. Donc si x correspond au premier élément de la liste, à ce moment-là c'est terminé, il réussit à faire l'unification. Sinon, il faut regarder est-ce que X est membre de la queue de la liste. Donc on va dire que si X appartient à Y ou Y correspond à la queue de la liste. Donc j'ai le premier élément et la queue. Alors on va vérifier, donc je fais Prologue pour qu'il consulte ce fichier. Et je vais lui demander, donc en minuscule, est-ce que 5 appartient à la liste 6, 7, 5, 9. Point. Et il me répond vrai. Alors on peut également utiliser trace. Je vais mettre comme liste 6, 5, 7. Donc il a appelé le premier fait. Donc comme ça n'a pas marché, il a appelé la règle suivante. Ou maintenant il va chercher 5 dans la queue de la liste. C'est-à-dire qu'il va chercher 5 dans la liste 5, 7. Est-ce que 5 est membre de la liste 5-7. Donc là, ça fonctionne. Donc succès. Il remonte et il nous affiche oui. Autre exemple, quelle est la taille d'une liste C'est un prédicat que l'on a à nouveau dans SWI Prologue, mais que l'on n'a pas, par exemple, sur le Commodore 64. Donc, je voudrais qu'il me donne quelle est la taille de cette liste. Pour lui expliquer, on peut lui dire que la taille de la liste vide, c'est 0. Ensuite, que la taille d'une liste de cette forme-là, donc la tête et la queue, il cherche la taille de la queue et il unifie n avec la taille de cette queue plus 1, 1 étant l'élément qui est en première position. Donc je l'ai fait cette fois-ci sur un vrai Commodore 64, plus précisément sur la version The C64, avec toujours Consult User, on tape le programme, End of File, et je lui ai demandé quelle est la taille de la liste ABC. Et il m'a fait l'unification avec 3. En utilisant Trace, on voit ici tout le cheminement. Donc pour trouver la taille de ABC, il cherche la taille de BC, il cherche la taille de C, ensuite de la liste vide. Donc là, il va réussir à unifier avec 0. Et en remontant, on aura 0 plus 1, ensuite 1 plus 1, 2 plus 1 pour arriver. À 3. Alors si maintenant on regarde ce petit programme listé xy, c étant la liste 1, 2, 3, x étant un élément de C et Y étant un élément de C. Si on appuie plusieurs fois sur la touche point-virgule pour lui demander à trouver d'autres solutions, on va obtenir ce tableau avec toutes les combinaisons possibles 1, 1, 1, 2 jusqu'à 3, 3, c'est-à-dire tous les couples qui sont éléments de 1, 2, 3. Donc ça permet de faire assez facilement de la programmation par contrainte. Par exemple, trouver les triplets x, y, z qui appartiennent à 1, 2, 3, 4, tels que x est plus petit que y, y est inférieur ou égal à z, et la somme fait 7. Donc voilà un programme pour le Commodore 64. Je lui demande à me lister x, y, z. x, y, z étant membre... De cette liste remarquez bien la notation préfixée pour les opérations mathématiques et ici le symbole pour la comparaison donc égal 2 points égal est-ce que le terme de gauche est égal à 7 donc si tout ça est vérifié on lui dit affiche x fait une petite tabulation de quatre caractères écrit y à nouveau une tabulation écrit z une nouvelle ligne donc new line, et on rajoute fail. L'intérêt, c'est que même s'il a trouvé une solution, on lui dit que ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va remonter dans l'arbre des possibilités et chercher une autre solution. Donc tout simplement, en rajoutant fail, ça évite d'appuyer plusieurs fois sur point virgule. On lui dit que c'est un échec, même s'il a réussi à trouver une combinaison gagnante. Donc là, on voit apparaître toutes les combinaisons. Jusqu'au moment où il nous dit je ne vois pas d'autre solution. Autre exemple, on cherche des entiers A, B, et C tels que A plus B carré est égal à C, donc ce qu'on appelle les triplets pythagoriciens. Donc avec Prologue, on peut par exemple définir valide ABC qui va permettre de tester est-ce que c'est bien un triplet pythagoricien. Donc je cherche A fois A plus B fois B. Ça, ça va correspondre à C2. Et est-ce qu'on a bien l'égalité entre C fois C et C2 Et pour le prédicat principal, donc que j'ai appelé cherche, donc tu me cherches A, B et C, et on va lui spécifier l'entier maximal. Par exemple, A, B et C ne doivent pas dépasser 100. Donc A doit être entre 1 et max, B entre A et max, C entre B et max, pour les mettre par ordre croissant. Et ensuite, il faut... Que A, B et C vérifient la règle qui est là. Donc, Sweet Prologue étant une version récente de Prologue, on a ce prédicat, Between, qui n'existe pas ni sur le Commodore 64 ni sur la Casio. On a également findall donc pour trouver tous les triplets qui vérifient cette condition, et l'ensemble des résultats, il le mettra dans R. Donc si j'écris Pythagore 10, donc qui va correspondre au max et R, il m'affiche les deux solutions 3, 4, 5 et 6, 8, 10. Donc, vous pourrez vérifier que 6 au carré plus 8 au carré me donne bien 10 au carré. Si on veut le faire sur un Commodore 64, donc valide, il n'y a rien à changer. Par contre, pour Pythagore, on peut lui dire « cherche à baisser sans dépasser max ». S'il y arrive, on va mettre la liste ABC dans L pour pouvoir afficher cette liste. On ne peut pas faire afficher A, B, C. Ensuite, une nouvelle ligne. Et pour trouver toutes les solutions, on va rajouter fail en lui faisant croire qu'il y a un échec. Et pour cherche, comme il n'y a pas le prédicat between sur le Commodore, on va inventer un autre prédicat que j'ai appelé entre. J'aurais pu l'appeler between. L'idée, c'est que grand X parcourt toutes les valeurs entre B et H. Donc si je veux toutes les valeurs entre 1 et 4, il faut que X soit égal à 1, ensuite à 2, à 3 et à 4. Alors comment on peut faire ça Eh bien, on peut déjà lui dire que si on a B et H et à nouveau B, ça marche. Ça, ça signifie quoi Ça veut dire que si je mets grand X en troisième argument, grand X sera unifié avec B. Donc, grand X correspondra à B. Entre guillemets, grand X est égal à B. Et sinon, on vérifie que B est plus petit que H, c'est-à-dire qu'il faudra s'arrêter quand B va dépasser H. On va appeler B1 la valeur B plus 1. Donc, ça va être le B qui va augmenter de 1 à chaque fois. Et on va lancer entre B1, H, X. Donc, à chaque tour, il va réussir à unifier le x avec le premier paramètre. Donc au premier tour, quand B sera égal à 1, bah, x sera égal à 1. Ensuite, comme on lui dit que ça n'a pas marché, parmi tous ces tests, eh bien, il va continuer en regardant cette règle-là. Donc B va augmenter de 1, ici j'aurai 2, et il va unifier x avec 2. Vous pourrez vérifier que ce programme fonctionne sur le Commodore 64. Alors un mot sur les coupures, donc qui va permettre d'expliquer à Prologue de ne pas regarder certaines branches. Par exemple, on imagine que Jean a deux numéros de téléphone, le 84 et le 77. On cherche à unifier P et T, P étant la personne et T le numéro de téléphone. Donc si je fais cherche P, T, il m'affiche Jean 84 et ensuite Next, c'est-à-dire la touche point virgule pour avoir d'autres possibilités. Et maintenant, il m'affiche Jean 77. Comme on l'a vu tout à l'heure, en utilisant fail, on lui dit que c'est un échec et donc il doit trouver une autre solution. Donc si je rajoute fail et que je recommence, il m'affiche bien les deux solutions et il rajoute faux en disant qu'il n'a pas réussi à valider ma requête puisque de toute façon à chaque fois on lui disait que le résultat n'est pas bon. Donc la coupure, notée par un point d'exclamation, va permettre de dire, tu unifies P et T, tu affiches T, nouvelle ligne, et ensuite tu ne modifies plus le P et le T. Il va donc fixer les valeurs de P et de T. Donc si je remplace fail par point d'exclamation, je le lance, il m'affiche Jean 84. Il n'y a plus le next, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché d'autres solutions. Alors passons à Syracuse version 1. Pour savoir si un nombre est pair ou impair, il y a pas mal de possibilités. On peut par exemple chercher n modulo 2 et regarder si c'est la même chose que 0. On peut regarder si 0 c'est n modulo 2. Mais on peut également essayer d'unifier la variable u avec n sur 2. Et ensuite de regarder est-ce que u est un entier. Donc par exemple, si n c'est 27, il va unifier u avec 27 divisé par 2 en faisant l'évaluation donc 13,5. Est-ce que 13,5 est un entier Non. Donc, finalement, ce nombre là n'est pas pair. Alors si on veut lancer notre programme Syracuse avec un nombre de départ, par exemple 27, ce que l'on veut c'est trouver le temps de vol et le maximum donc on peut utiliser le même prédicat, donc ici sir pour Syracuse, mais cette fois-ci avec trois arguments. Donc pour lui, sir qui est là et sir qui est là sont deux prédicats différents. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le même nombre d'arité. Arité 1, arité 3. Donc je reprends N, ici on aura le max et 0 correspond au temps de vol. Si N est égal à 1, il va unifier t et m et on va lui dire, tu affiches t, retour à la ligne, tu affiches m. Donc j'aurai bien le temps de vol et le maximum lorsque n vaut 1. Si maintenant n ne vaut pas 1, le temps de vol va augmenter de 1 et donc on va calculer quel est le nombre suivant, donc toujours avec n et le max, mais le temps de vol a été augmenté de 1. Le prédicat suivant... Avec n, t et m, on regarde si le nombre est pair. Donc si cette condition a été vérifiée, on va appeler n2 la valeur n divisé par 2. Et on va lancer à nouveau Syracuse, cette fois-ci avec n2, t et m. Si le nombre est impair, ça veut dire qu'il va oublier cette règle et passer à la règle suivante. Donc toujours avec n, t et m, n2 ça va être 3 fois n plus 1. Et maintenant, il faut regarder si le maximum a été dépassé. Donc, j'ai appelé le prédicat maxi suivre avec n2, t et m. Et ce prédicat nous dit que si n est plus grand que m, alors on lance Syracuse avec comme nouveau maximum le n. Donc, lorsque le maximum est dépassé, voilà le nouveau maximum. Et si c'est faux, eh bien, on continue avec le n, le t et et le M. Alors ce programme fonctionne sur le Commodore 64. Si je lui demande CIR 5, il me répond temps de vol 5, maximum 16, ce qui est vrai. Et si je le fais avec 27, il me répond 108 7288, ce qui est faux, puisque la réponse est 111 9232. Si on regarde le manuel de Prologue 64, qui est en allemand, on se rend compte que les entiers ne peuvent pas dépasser 8191. Effectivement, si je lui demande est-ce que 0 est pareil que 8191, il me répond non. Est-ce que 0 est pareil que 8192, il me répond oui. Donc on a bien l'égalité entre 0 et 8192. Donc pour arriver au maximum de 9232, quand on part de 27, le nombre avant est 3077. Donc c'est celui-ci, lorsque je le multiplie par 3 et que j'ajoute 1, qui doit normalement me donner 9232. Donc si je fais 3 fois 3077 plus 1 et que je l'unifie avec x, il me répond 1040. Et donc ça veut dire qu'au lieu de partir de 9232, il repart de 1040 et il finit donc plus tôt. Alors voilà le cheminement par exemple avec Cir 5. Donc au début il va appeler cir 505, qui lui-même, comme il ne réussit pas à unifier 5 avec 1, va appeler cette règle-là. Donc le temps de vol va augmenter de 1. Donc on aura 5, 1, 5. Et il va chercher le nombre suivant. Ensuite, il va regarder si le nombre est pair ou impair. Donc comme cette condition-là n'est pas vérifiée, il va multiplier par 3 plus 1 et chercher si le maximum a été dépassé. Donc on a bien ici le 5 qui s'est transformé en 16, avec toujours le 1 et le 5. Comme 16 est plus grand que 5, il va relancer le programme avec 16, 1 et 16. Donc il a changé le maximum ici. Ensuite, 16, il va le diviser par 2, donc on aura 8 avec le temps de vol qui augmente de 1, 4, 2, 1, et il renvoie 5 et 16. Donc, les seuls changements à faire sur la Casio, c'est pour savoir si le nombre est pair ou impair. Donc, ici, je lui demande à unifier n2 avec n sur 2 et de tester si n2 est bien un nombre entier. Et pour les comparaisons, est-ce que n est plus grand que m Il faut l'écrire de cette façon. Alors, je vous montre ce que ça donne avec JB Prologue sous macOS. Vous trouverez également les liens sous la vidéo. Donc on lance le programme, on peut changer la taille de la police, on peut écrire les programmes en faisant New File, à nouveau en changeant la taille de la police et en tapant le programme. Attention, votre clavier sera peut-être en QWERTY, donc vous pouvez également afficher le clavier pour vous aider. Alors pour ma part, j'ai déjà tapé le programme Syracuse, donc j'augmente la taille de la police. Et je vais le lancer avec 27. J'ai oublié de lui demander à consulter ce fichier. Copier-coller. Et on trouve bien 111 9232. On peut même le faire avec des nombres beaucoup plus grands. Ici, temps de vol 524. Et voici le maximum. Pour terminer, deuxième version de Syracuse pour les versions plus récentes de Prologue. Donc on va avoir le même début avec le temps de vol qui augmente de 1. On va chercher le nombre suivant et pour le maximum on va utiliser le prédicat max, donc quel est le plus grand entre n et m. Ce qui permet de lancer à nouveau Syracuse avec le nouveau nombre, le nouveau temps de vol et le nouveau maximum. Alors il reste à définir le prédicat suivre. Si le nombre est pair, n2 ce sera n sur 2, on peut même effectuer une coupure pour lui dire de ne pas chercher d'autres solutions. Et si le nombre n'est pas pair, eh bien on fait tout simplement n 3N plus 1. Donc il va unifier n2 avec 3n plus 1. Attention, si n c'est 27, lorsqu'il va faire l'unification, n2 sera 3 fois 27 plus 1, et non pas 82. Donc, si je teste le programme, Syracuse en partant de 27, on trouve 111, 9232. Il me propose de chercher une autre solution. Donc, si je fais Next, vous voyez qu'il m'affiche 114, puisqu'après 1, on repart sur 4, sur 2, sur 1. Donc, c'est là où on peut se rajouter une coupure. Et donc, il va m'afficher ce résultat-là. Et le programme est terminé. Si je le fais avec le nombre de tout à l'heure, on retrouve bien 524 et le maximum. Voilà pour un bref survol du langage Prologue. A bientôt